Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Ace Peace. La première vidéo vous avait énormément plu, du coup, bah c'est parti, on continue l'aventure. Aujourd'hui, les gars, on a un objectif, quitter la première île. On avait fait toute une vidéo, du coup, sur la première île où on avait défoncé des bandits. Et maintenant, c'est chose faite, on a défoncé le boss des bandits et on va devoir découvrir le monde qui nous attend. Mais avant ça, les amis, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle, on rush les 200 000 abonnés. Et dites-moi en commentaire si l'aventure Ace Peace vous plaît, voilà. Je pense qu'on va continuer, ça va aller loin cette histoire. Et les gars, vu que c'est la deuxième fois que je lance le jeu, on m'a offert un fruit mystérieux. Quel est ce fruit, les gars? Un fruit mystérieux. Et si on le mangeait, les gars? On avait le fruit du haché, le fruit de Baggy. Regardez, on pouvait balancer notre poing comme ça, boum, et défoncer des ennemis. Et maintenant, on a le droit à un autre fruit. Alors attendez, je suis censé le reconnaître. Normalement, je serais censé le reconnaître comme ça, mais ma culture fruit est... laisse à désirer, ça fait longtemps. Mangez, voyons voir, mangeons ça. Oh, wow! Ok, j'ai disparu. Et quel fruit je vais avoir? Mais par contre, je peux réapparaître. Ok, oh non, les gars, c'est le fruit de Doflamingo, les gars. Balle en ficelle, attendez, c'est une dinguerie. On a vraiment le fruit de Doflamingo, mais c'est un truc de ouf. Attendez, faites voir. Hop, la première attaque. Wow, ok, on lui balance des fils dessus, c'est stylé. Mais on fait quand même toujours plus de dégâts avec notre katana, les gars. Souvenez-vous, on le défonce. Et boum! Eh, tiens, prends ta ça, mon pote. On avait mis nos stats dans quoi? On avait beaucoup mis... Ouais, on avait mis beaucoup plus dans épée quand même. Ah, quoi qu'on a quand même 30 dans le fruit, c'est pas mal. Eh, mais attendez, pourquoi il y a un mec qui est comme moi? Les gars, j'ai cru que s'il y avait un deuxième moi, mais c'est un truc de ouf. C'est quoi ce mec? Il a exactement la même tenue que moi. Il manque juste la barbe. C'est un truc de ouf. Voleur d'identité. Oh, il faut être niveau 40 pour PVP. Ah, les gars, quand on sera à niveau 40, on pourra se battre contre des joueurs. Et c'est bientôt, on est niveau 31. Ok, bon, normalement, on va pouvoir quitter cette île bientôt. Attendez, voyons voir. On a défoncé le boss des bandits. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans cette île? Voyons voir. Il y a quoi déjà par ici? Déjà, c'est magnifique, les gars. Je le dirai jamais assez, mais c'est magnifique ici. Ah oui, donc là-bas, il y a la forge. On va pouvoir craft des trucs avec le forgeron. Et il y a toi. Donneur de tâches. Ah bah attendez, elle donne des quêtes, c'est pas fini. Voyons voir, on va te parler. Après des saisons de drainage du sol de sa force vitale, les citrouilles damnées sont sorties de leur tombe peu profonde, prêtes à être récoltées. Récupère-moi 5 citrouilles et je récompenserai ton dur travail. Bah j'accepte, merci. Il faut qu'on ramasse ces citrouilles. Hop là, et bah on va te les ramener, hein, t'inquiète. Hop là, une. On va en prendre une deuxième et c'est stylé, on les porte sur notre dos. Mais on peut en porter combien? Bon, mais on en a combien là? On a trop de citrouilles, les gars. C'est quoi ce jeu? Je suis mort. Les gars, juste notre travail, c'est de récupérer des citrouilles pour une dame chelou. Et bah c'est bon, on a nos 5 citrouilles. Parfait. Elle va nous donner beaucoup d'XP, hein. Elle va quand même nous donner au final 32 000 d'XP parce qu'on a un x2. Ah, faut qu'on les mette là. On laisse tomber les citrouilles et nickel. Merci beaucoup. Et on a gagné 3 niveaux supplémentaires. C'est pas mal. On va pouvoir mettre dans les stats un petit peu. Je suis quand même un joueur épée en fait, hein. Mais on va quand même mettre dans le fruit. Même si je préfère l'épée, on va mettre dans le fruit. Je suis curieux quand même. Et c'est tout? Il faut recommencer encore? On peut recommencer? On peut pas obtenir une... C'est bon? On peut te parler? Ah, d'accord. Il faut attendre 5 minutes. Donc c'est une petite quête un peu récurrente pour se faire de l'oseille et tout. Et on a un petit cadeau. Qu'est-ce qu'on a le droit à quoi? Oh, 4200 berries. Merci beaucoup. On est à 9600. C'est pas mal. On commence à avoir de l'oseille. Bon, bah c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Attendez, maintenant, vu qu'on a un fruit ici, on va dans l'eau. Ah ouais, maintenant on prend des... Ah, on prend des dégâts. Ok, c'est bon. Bon bah les gars, je crois qu'il va être l'heure de quitter cette île en vrai. Mais comment on s'en va? C'est ça la question. Comment on s'en va? Vous savez comment on s'en va? Vous faites très peur, monsieur. Waouh, ça va, calmos, il a voulu me taper. Recruteur de marine. Ouais, non, toi, t'es fou. T'es fou quoi, toi? T'es fou? Jamais, jamais, on ira du côté de la marine, jamais, vous m'entendez? Oh, c'est par là, j'avais pas encore exploré cet endroit. Ah, mais il y a un donneur de tâches, là, niveau 20. Salut, Johanna, vous cherchez du travail, livrez simplement cette cargaison de tonneaux et nous vous paierons une forte récompense. Ok, c'est peut-être notre moyen de quitter l'île. Ok, on a un tonneau. Oh là là, mais les gars, mais il est incroyable le jeu, en fait, y a pas que des trucs de combat et tout, on peut vraiment... on mène notre petite vie, quoi. Marchand de bateau. Oh, c'est Franky! Oh, c'est trop stylé, c'est Frankito, le marchand de bateau. Et c'est logique, c'est logique. Mais c'est stylé et tout, il y a la petite carte. Oh là là. Et du coup, là, la flèche, elle nous indique où est-ce qu'on doit livrer le tonneau. Oh là là, bah ok, bah bonjour, on peut avoir un bateau? Y a pas un truc un peu gratuit, genre gratuit dériveur? Ok, bah on commence comme ça, hein. Ah oui, c'est vraiment ça, d'accord, ok. Eh bien les amis, c'est parti, allons-y, allons faire notre première mission, c'est trop stylé, on part à l'aventure, on quitte la première île, en avant. Et vu que je suis toujours pas niveau 40, on va pas pouvoir m'attaquer, et ça c'est pas mal. Oh là là, mais c'est stylé, la première mission. Donc là, on va découvrir tout simplement la prochaine île. Peut-être que les gars, c'est scripté, c'est comme ça qu'on va découvrir les prochaines quêtes, les prochains défis contre d'autres méchants. Oh là là, non, c'est trop cool. Je kiffe beaucoup trop. C'est vraiment le début de l'aventure, les gars. Oh là là, on commence tout doux. Eh, hey, il nous paye bien. Il nous paye 5000 berries pour ça. Et on va gagner pas mal de stats aussi. Ok, bonjour. Nous arrivons. On va quand même se garer au port. On va faire les choses bien. On est RP ici. On est RP. Voilà, on se gare ici. Donc j'imagine que c'est par là. À qui est-ce qu'on doit livrer ce tonneau? Oh, il y a un ami ici, du coup, qui nous met le point d'apparition. Salut tout le monde. Ouh là là, ça c'est des méchants, ça, non? Moi, je dois juste livrer mon tonneau. Oh, ils sont niveau 40 en plus. Oh,
c'est des clowns. C'est des clowns, les gars. On est forcément sur l'île de Baggy. Ça me dit pas où je dois livrer mon tonneau. Oh, mais il y a Baggy là-bas. Oh là là, la dinguerie. C'est trop stylé. Oh, yeah, yeah. Moi, je reste à l'écart un petit peu. Moi, je fais juste ma livraison de tonneau. Mais non, mais du coup, c'est sur une autre île qu'il faut que j'aille. C'est pas du tout sur celle-là. Oh, j'imagine que ça va être l'île là-bas. Bah, écoutez, on va rechercher notre bateau. Je reviendrai, Baggy, un jour pour t'affronter. Crois-moi. Sur parole. Niveau 60 pour le défoncer. Ah ouais, d'accord. Hein. C'est le double de notre niveau. On va quand même prendre des petits coffres. Hein. On pille ton or. Hop là, merci. Va peut-être falloir que j'augmente un petit peu mon endurance aussi pour me déplacer plus vite. Quoi qu'elle se régénère assez rapidement. Ok, bon, c'est pas grave. On reprend notre bateau. Wouhou. Et on y retourne. Attendez, c'est quoi ça? Attendez, les gars, c'est pas un fruit par terre quand même? C'est quoi ça? Fruit? C'est un fruit? Mais attendez, c'est quoi ce fruit de zinzin? What? Oh, on a trouvé un fruit random. Oh, mais c'est stylé de fou. Les gars, en plus, il était transparent. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Il y a un truc en verre par terre. Mais non, c'était bien un fruit. Mais c'est pas un fruit qui va nous permettre de nous rendre invisibles quand même. Je sais pas, on le met dans notre sac. Voilà, je le mets dans mon sac, je le récolte. Oh là là, on le gardera pour plus tard. Parce que les gars, on a quand même pas que le fruit de flamingo au hasard. On va peut-être le garder. C'est quand même un fruit pas mal. Heureusement qu'il n'y a pas de timer hein, pour la mission du baril, parce que je pense qu'on aurait perdu. Oh là là, je kiffe là, les petits mondes comme ça que je connais pas encore. Il me reste encore tout à découvrir. Oh, entrer en mer. Les gars, j'espère qu'il n'y a pas des sea event comme dans Blox Road, parce que là, si je me trouve contre un sea beast, je suis fichu. Oh, là-bas, ça fait... C'est Alabasta, là-bas? On dirait clairement Alabasta. Je sais pas, il y a moyen que ce soit une pyramide, là-bas, avec les palmiers et tout. Aïe, 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 aïe. Mais où est-ce qu'on va, là, par contre? Où est-ce que ça nous emmène, cette petite quête du baril? Moi, je suis qu'un marin pêcheur, voilà, je livre des tonneaux, c'est tout ce que je fais. Ou alors, je suis un contrebandier, je ne le sais pas. Ça se trouve, il y a de la poudre à canon dans ce tonneau et des armes et des trucs. Est-ce que c'est cette île-là même? Ou alors, il y a un autre truc derrière, je sais pas. On va voir si on passe à côté de l'île et que la flèche... Elle indique cette île quand même. Oh mais c'est Lockdown. Je crois que c'est clairement cette île, les gars. C'est clairement ici. Oui, c'est clairement là. Ok. Wouhou. Allons livrer ce tonneau. Ok, donc c'est en hauteur. Ah, mais à qui je dois livrer ce tonneau? Bonjour, c'est vous? Oh, le receiver. Ok, donc c'est à lui que je dois livrer. Ok, let's go. Je vois que l'envoi est arrivé. Merci pour la livraison. Voici ta récompense. Nickel. Eh ben. Oh, les gars, il y a Rayleigh. C'est lui qui a entraîné Luffy pendant 2 ans. Sur une île seule. Ouais, mais attendez, mais quoi? Busso Trainer. On peut s'entraîner? Déverrouiller le niveau 1 de Busso pour 100 000 berries. Niveau 350 requis. Bah, je suis obligé de refuser, monsieur. Je suis désolé. What? Mais attendez, mais c'est incroyable. On va pouvoir venir s'entraîner ici? Oh là là, mais par contre, il nous faut beaucoup d'argent et beaucoup de niveaux. Et on peut augmenter nos stats aussi. Hop là, on va remettre un petit peu dans l'épée. Mais du coup, cette île, c'est quoi? On peut s'affronter des gens? Il y a qui à rencontrer? Ouh là là, niveau 400! Ouh là là là! Et moi, je m'en vais, hein, c'est pas pour moi tout ça. Bonjour, vous avez un chapeau qui ne vous appartient pas. Donneur de quête. Ah ouais, mais faut être niveau 350 et tout. Ah ouais, c'est la marine, hein. Ici, c'est la marine, ça rigole pas. Vous pensez que je peux le défoncer ou pas? Ouh là. Non, je rigolais! Tiens, ballon ficelle! Boum! je rigolais! Francky, il me faut un bateau, ils me veulent ma mort! Bon, bah les gars, on va retourner tout simplement sur une île où on a le pouvoir de défoncer quelques gens. Allez, donne-moi un bateau gratuit, s'il te plaît. Là, il faut qu'on fasse de l'argent, les gars. Et qu'on monte de niveau. Et on a un cadeau en plus. Hop là, merci beaucoup. 3 gemmes, parfait. Je sais plus à quoi ça sert, les gemmes. Système, un épéiste double est apparu à Log City. Ouh là là, bah ça tombe bien, moi je m'en vais. Écoutez, moi je me casse. Salut les copains. Ah, c'est un fruit commun quand même, ce que j'ai eu. Là, du coup, on voit dans l'inventaire le fruit que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est un commun. Et j'ai 43 bonbons. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ici, nous voilà arrivés à l'île de Baggy, l'île des clowns. Oh là, ça se bagarre ici. Oh, ça se tape, hein. Et lui, il a l'air vénère quand même, non? Donneur de quête, il faut être niveau combien? Il faut être niveau 40 pour les défoncer, du coup? Eh ouais, j'ai pas encore le niveau 40, moi, c'est ça le problème. Oh là là, ouais, il est en train de les défoncer quand même. Bah, bonne chance à toi, hein, frérot. Bon, et bien écoutez, on va retourner sur notre île de base, hein. Il faut qu'on augmente de niveau, au moins de niveau 40 pour arriver jusqu'ici et pouvoir commencer les quêtes intéressantes. Waouh! On a la petite boussole et tout, c'est stylé. C'est le suiveur de quête, ok? Donc, ah, mais oui, on a le suiveur de quête comme dans Bloxroot, ok? Donc maintenant, on sait où on doit aller, c'est pas mal. Et on a encore un cadeau, mais dis donc, mais j'ai beaucoup de chance. Oh, encore un fruit! Non, mais les gars, c'est quoi encore ça? Le truc, c'est que je reçois des fruits. Oh là, c'est quoi ce fruit? Attendez, c'est incroyable. Mais on a trop de fruits là, comparé à Bloxroot là, dès le départ, on a beaucoup de fruits. Ok, bon, voyons voir, c'est quoi ça? J'arrive pas à voir, c'est quel genre de fruit? C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas savoir ce que c'est, mais est-ce que c'est un commun? Je le mets dans mon sac de fruits. Est-ce que c'est un commun qu'on a eu? Oh, ah, c'est le spin, ok, d'accord. Ok, donc ça, c'est le truc pour tourner et tout, d'accord, ok, ça va, c'est pas incroyable. Le fruit de Doflamingo, c'est beaucoup plus stylé. Bah écoutez, bonjour, on va reprendre des quêtes, hein. Moi, je vais aller défoncer le boss des bandits parce que bon, quand même, il me faut des maîtrises. Faut que j'augmente de niveau pour aller défoncer Baggy le clown. Salut mon pote, hop là, première attaque, balle en ficelle. Tiens, prends-toi ça. Ouh là là, il a pas l'air joyeux. Oula, il est en train de me défoncer. Tiens mon pote, prends-toi ça. Allez, on le défonce. Chanson du lion, boum. On a des attaques de fou. Et oui, le boss des bandits qui va refaire pas très très long feu. Waouh. Non, là par contre, ça fait mal. Là, tu nous fais mal, frérot. Boum. Ok, on va essayer de privilégier les attaques à distance. Ah, il va m'attaquer, il veut me faire du mal. Waouh, il saute. Ah, ok, à chanson du lion. Boum. Ah, j'ai peur. Yeah. J'ai plus beaucoup de vie, frérot. Ok, vas-y, viens là. Boum, on te remet une attaque. Notre attaque de loin. Waouh. S'il nous rechoppe, on est foutu. Et boum. Ok, là, normalement, ça peut le faire. Non, j'ai pas eu le temps de l'attaquer.
Il va me foncer. Waouh. Là j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. À tout moment je meurs. Va falloir la jouer à distance, tranquillement, paisiblement. Chanson du lion. Boum. Ensuite on passe là. Ensuite on lui fait la petite attaque de loin. Ça l'a pas touché. Chanson du lion, vite. C'est bon, encore une attaque et on le défonce normalement. Et chanson du lion. Boum. Let's go. On reprend tous nos XP. Parfait. Merci mon frérot. On va peut-être se mettre un peu plus de vie quand même là. On a besoin de vie. Et je crois que plus qu'une seule quête et puis on sera bon. Hop là, on prend vite fait les petits groupes de bandits là. On va les défoncer en 2-2. Vous, je vous castagne en 2-2 normalement. Voilà, ça c'est easy. Ça c'est pas mal. Ça c'est tout ce qu'on aime. Boum. Je te chlasse, je prends un coffre et je te défonce. Aïe, aïe, ouïe, oh. Ça le fout, malade toi. Allez, plus que un. Allez, tu vas me donner mes levels. Et boum, let's go. Ok, encore une et puis c'est bon. Bandit de pacotille, dégagez de mon chemin. Maintenant, je dois aller me faire les clowns. C'est plus vous mon problème. Et hop là, allez toi mon pote, c'est finito pour toi. Nickel, nouvelle quête, c'est parfait. On va pouvoir partir. Bah non, on est toujours niveau 39. Bah c'est quoi ce délire? Ça m'a pas fait gagner tant que ça en fait. J'ai obligé d'y retourner, mais non. Ouais, marre de. Et boum, voilà, là c'est bon. Maintenant que vous êtes niveau 40, vous pouvez explorer de nouvelles îles. Ah, mais c'est ça qu'il fallait! Il fallait juste être niveau 40, c'est parfait! Là, on peut partir à l'aventure! Eh bien, merci, merci beaucoup, merci à tous! Je vais aller me faire un peu d'argent quand même avec la meuf citrouille! Un peu là, parfait! Et de 3, et de 4, et de 5! Nickel, merci madame! Bonjour, on vous dépose vos citrouilles et ça fait quand même un petit peu d'XP gratos, c'est pas à négliger! Ok, au niveau des stats, on va augmenter l'épée quand même! On augmente l'épée, c'est avec ça qu'on tape le plus et un peu le fruit aussi, voilà! Et là, normalement, l'épée, attendez, c'était level 50. Ah, on a débloqué une nouvelle habilité avec l'épée, les gars! Et ça, c'est cool! Donc la première habilité, c'était la chanson du lion, comme ça, le slash, et maintenant on a fracture d'air, ça fait quoi? Wouh! Ah ouais! En deux attaques, je les défonce quand même, là. Attendez, fais voir la portée du truc. Fracture d'air, boum! Oh là là, c'est stylé! Pas mal, j'aime beaucoup. Ça va être plutôt pratique, cette histoire. Eh bien, les amis, c'est parti, on va pouvoir aller à l'île des clowns. Oh, il y a quelqu'un qui veut me faire un trade. Qu'est-ce que tu veux me trade? Le joueur négocie actuellement. Bon, bah, me saoule pas alors. Can't steal this boat? Ah, mais c'est un vol! J'ai pas le droit de le prendre, le bateau! Bah, fallait me dire direct! Je pensais que c'était le mien en plus. Bon, bah, redonne-moi-en, hein, voilà! Attendez, je peux avoir un bateau à voile. Un bateau à voile, ça coûte 500, mais c'est pas mal, non? Oh, let's go, on upgrade! Voilà! Avec ça, on part à l'aventure. Attendez, on peut ouvrir cette porte? Oh, j'ai cru qu'il y avait un fruit sur la table. Je me suis dit, bah, merci, petit cadeau de bienvenue. Mais du coup, c'est un vrai fruit, quoi, c'est une pomme. Oh là là, stylé ce petit bateau là! Oh, aïe aïe! Et c'est parti, les amis, pour l'île des clowns! Attendez, parce que c'est bien là que je dois aller quand même, normalement. Oui, quête, oui, c'est bien ici, normalement, c'est bien cette ville. Oui, c'est parfait. Oh là, il y a un Bouddha qui se bat là-bas. Oh la dinguerie. Il a l'air énervé quand même, le petit frérot. Ouais, il est en train de tout péter là-bas. Je crois qu'il est en train de se taper contre Baggy. Eh bien, bonjour, maître de cirque. Oh, c'est stylé, c'est un maître de cirque qui gère tout ça. Eh bien, bonjour, les clowns pirates attaquent notre ville et ils ne rient pas. Aide-nous à nous en débarrasser. Bien évidemment, mais oui. Ces clowns pirates sont une blague sans punchline. Pourquoi ne pas aider en leur livrant un droit dans le visage? Mais ils sont incroyables avec leur dialogue, ils sont fous. Donc là maintenant c'est le pirate clown qu'on doit défoncer. Bah boum, je lui mets mes attaques et boum. Ah ça fait mal hein. Et tiens mon pote, voilà. Et on va prendre des XP pas mal là je pense. Ah ouais, on va prendre beaucoup d'XP en fait. Là on va augmenter nos stats de zinzin. Boum. Et fracture d'air. Blam. On les défonce. Nickel, merci beaucoup frérot. Hop là, j'étais là d'abord toi. Laisse-le moi. J'étais là en premier. Oh je suis niveau 40, c'est vrai, je peux taper des joueurs. Oh je les défonce. Oh attendez, je peux le taper? Mais non. Oh la dinguerie, je peux le taper lui. Oh je le... Oh. Ah non mais en fait j'ai plus de vie. C'est lui qui m'a fait trop mal. Tiens, prends ça. Oh je lui ai enlevé 40. Et on a quand même fini notre petite tâche et on a des stats. Attendez, on a 6 points de stats. On va mettre dans la défense quand même. Aïe aïe aïe, je reprenais de la vie. Laisse-moi. Non. Je me suis fait défoncer par un clown. 250 de primes perdues. C'est une dinguerie de faire ça aux gens. Oh non, et je respawn là. Ah mais je respawn pas sur l'île. Ah oui d'accord. Donc en fait là pour le coup c'est vraiment très très important de mettre les points de respawn. PVP disable. Ah ouais, je peux plus. D'accord. Bon bah redonne-moi un bateau. On se casse. Voilà. Bah, cette fois je prends un petit parce que les autres ça coûte cher au bout d'un moment quand même. Et les amis, je suis en train de voir, on a quand même pas mal de maîtrise avec le fruit de Doflamingo. Il faudrait qu'on arrive au moins niveau 60 pour voir ce que ça fait là, le Parasitic Strings. En attendant, je vais pas me laisser faire par ces clowns de pacotille. Ils sont fous quoi. Allez, redonne-moi une quête là, c'est parti. J'ai pas que ça à faire. Boum, on les défonce. Et de 1, allez, c'est parti. Les autres ils prennent tout dans leur tronche aussi. Allez hop là. Ouh, j'en ai attaqué plusieurs. Ouh là, la chanson du lion. Waouh, 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 waouh. Ok, fracture d'air sur les deux. Boum. Et les deux d'un coup. Merci à tous. Je deviens professionnel. Bagarre, bagarre, boum, chanson du lion, fracture d'air et boum. On t'enchaîne, mon pote. Bon, qui veut trade? Ça veut me trade des trucs? J'ai qu'un katana, frérot. Électricité? C'est un malade, j'accepte. Attendez, je peux accepter? Vraiment? Je vais gagner un truc de fou? Comment il me donne ça? Attendez, j'ai un truc gratos? Négociation réussie? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Inventaire? Electricity? Rare! Il m'a donné un fruit rare! Il m'a donné le fruit de NR, c'est un ouf! Oh la dinguerie! C'est encore moi, trade! Quoi? Il y a encore Momo! Mais il est encore là, mais attendez, mais qui m'a trade? Mais qui, tout le monde veut changer des trucs, mais c'est des fous! J'ai rien moi pour trade, monsieur! Ténèbres, il me donne le fruit des ténèbres! Mais quoi? Eh mais c'est des ouf! Le meilleur fruit pour farm, il me dit! Ah ouais, c'est les ténèbres pour farm! Mais c'est des zinzins! C'est des ouf! Oh là là, mais c'est incroyable! Mais j'ai pas envie de les manger tout de suite! Attendez! Je vais le mettre dans mon sac de fruits! Il faut que je le mette dans mon sac de fruits! Attendez, c'est un truc de fou! Veux-tu faire une offre au sac de fruits? Pourquoi? J'ai plus de place! Attendez! Il m'invite à une fête! Qui m'a invité à une fête? C'est quoi la fête? Pourquoi on m'invite à des fêtes? Je sais pas! Attendez, mais j'ai plus de place dans mon inventaire! Non, 3 sur 3! Attendez, je vais dégager ce fruit là qu'on a trouvé là! Le fruit là, il dégage! Non, en vrai, lui, je sais même pas ce que c'est, donc je vais le garder! Non, il m'a tué! Il m'a tué, j'espère que j'ai pas perdu mon fruit. Il m'a tué, j'ai perdu le fruit, il est trop bête. Par contre, j'aurais... Mais y a combien de fruits ici? Attendez, mais... Bah, j'ai perdu le ténèbre, hein. Mais par contre, y'a trop de fruits là par terre. C'est quoi cette dinguerie? Équipé. Vas-y, je prends tous les fruits. J'ai pris... j'ai combien de fruits, les gars? Mais attendez, mais c'est une dinguerie. Bah attendez, j'enlève le spin. Attendez, mais c'est... J'ai trop de fruits, les gars. Regardez-moi ça, tous les fruits que j'ai, les gars. Et encore, il veut retrade. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais attendez, il a les trucs. Oh, il a magma. Mais non, la dinguerie. Oh, il a enma. Non, je peux pas accepter. Je peux pas accepter ça. Le gars, il a trop de trucs. Attendez, il y a le fruit de la pique, le fruit de la bombe. Celui-là, c'était le spin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le fruit que j'avais au début. Et ça, je sais pas ce que c'est, les gars. Attendez, je vais le mettre dans mon sac. C'est quoi? Ah, oh, le fruit de la barrière. Bah oui. Donc là, les gars, on a le fruit de la barrière, le fruit des piques, le fruit de la bombe. On a trop de fruits. On a trop de fruits, les gars. C'est abusé. Mais par contre, c'est chiant. Je peux en stack que 3. C'est dommage. Non. Attendez. Waouh. Je garde le fruit de la bombe. C'est stylé. Mais par contre, tous les autres. Oh là là. C'est quoi ce délire? J'ai trop de fruits. Je suis le maître des fruits. Bon, les gars. C'est quand même un sacré épisode qu'on a eu là. Les gars, prochain épisode, on va essayer de défoncer Baggy le clown. Et les gars, bien sûr, dites-moi s'il y a une strat pour agrandir le sac de fruits. Parce que là, j'ai pas assez de place en fait. J'ai trop de fruits pour pas assez de place. Et attendez, j'ai un petit cadeau en plus, merci beaucoup. Oh, un spin, ça je sais pas ce que c'est encore, faut que je trouve où les faire. Merci à tous les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en bas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.